C'est-à-dire qu'on fait sonner un pas pour son arrivée. Nous avons donc une culture après discussion à la direction. Et voilà ce que nous avons sorti. Nous avons sorti trois couleurs de paille. Nous nous sommes dit pour le bleu, ça c'est le parti. Et pour où il y a l'orange, ça c'est pour les patriotes, c'est pour la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo ne nous appartient plus à nous seuls. Il est national, il est international. C'est la Côte d'Ivoire. Nous avons donc mis cette couleur après le bleu. Et nous avons mis la couleur rose. Ça, c'est notre parti, mais c'est la fleur, la rose, qui est au-dessus de notre cible. Donc nous avons fait ces trois couleurs pour les proposer, pour les présenter à l'Assemblée, mais à toute la Côte d'Ivoire entière. Voilà. Donc, je voudrais dire merci au secrétaire général, merci au secrétaire exécutif, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont permis de faire ça. L'OFPI s'est organisé pour sortir ce panne, comme l'OFPI s'est organisé pour sortir le panne de la fête de la liberté 2020. Nous nous sommes donc organisés, nous nous organisons, nous cotisons pour faire ce que nous avons à faire. Nous sommes une organisation responsable, c'est ce que je voulais dire. Les prix, c'est 5 500 le morceau. 5 500 le morceau. 5 500 seulement pour la qualité de cette salle-là. 5 500 seulement. Là, c'est un fonds de WAPS. Hein? Une WAPS nous a fait une faveur, c'est un fonds de WAPS. Voilà les patriotes, 5 500. Voilà la fleur. 5 500. Les casquettes, c'est 3 000. Ceci, voilà. Voilà 3 000. 3 000. 3 000. Et les t-shirts, c'est 5 000. 5 000, je dis bien. 5 000 seulement. 7 000 seulement. Mais je voudrais commenter le bail avant de quitter le podium. Ici, vous voyez, nous avons pris différentes ethnies de Côte d'Ivoire. Nous avons mis les Ouais, qui sont nos partenaires, sûr. Les voilà ici, on dit Dao. 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 Mon bon y. Le rempart. C'est ce qu'ils ont dit, le rempart, le soleil, de Côte d'Ivoire. Nous avons mis, au niveau de la langue maternelle du président, nous avons mis président Yao Ndiaoudi. Ça veut dire quoi? Tu es arrivé, bon arrivé, garçon. La première dame est du Sud. Il y a pas mal de nos dirigeants qui sont du Sud. Donc voilà, à quoi pas. Vous ne voyez pas? Hein? Le pain passera tout à l'heure et vous allez voir. Le pain passera. Nous avons mis aussi il danse. C'est le nom de la Côte d'Ivoire. Et nous avons mis Fotama. C'est le côté Senufo. Nous avons mis. Nous avons donc essayé de prendre un peu partout. Et nous avons mis aussi pour nous qui parlons français, qui ne connaissons pas nos langues. Bienvenue, Monsieur le Président. Voilà ce que nous avons dit. Voilà. Chers amis, on ne pouvait pas mettre tout le monde, on sait que tout le monde, toute la Côte d'Ivoire est attachée au président Gbagbo, mais on ne pouvait pas prendre toutes les ethnies. Nous avons fait seulement des représentations. Merci beaucoup, que Dieu nous aide. Marie-Honnête Mamounon, on va l'applaudir.
de la saluer jusqu'à ce qu'elle se réinstalle à sa place. Je reprends. C'est pas une que vous avez vu. Le morceau coûte 5500 francs. Les trois morceaux coûtent 16500 francs. La pièce qui fait 6 morceaux, ça coûte 33 000 francs. Les casquettes, 3 000 francs. J'en ai déjà sur ma tête. Et c'est très joli à voir. Et le t-shirt coûte 5 000 francs. Franck, avant de te laisser la parole et toute la place qui te revienne, je voudrais saluer le ministre doyen Kwasi Akete. Je souhaite qu'on salue Maître Tapley, vice-président URD de Thalia Boni-Claveri, qui représente la ministre ici. Je voudrais qu'on salue Dr Faye Faustin, qui représente Madame Anne-Marie Bonifo, coordinatrice nationale GPS de Guillaume Soro-Koukafouri. Franck, la place est à toi. Merci, Cédar. À présent, nous allons passer à l'interprétation des honorables membres du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo. Je voudrais appeler l'honorable Mboukwa Abi Blaise, ancien ministre dans le gouvernement Akengo. Il a été aussi représentant de l'ASECNA en Côte d'Ivoire. Mais il a accepté de se joindre à cette équipe parce qu'il représente ici les amis du lycée du président Laurent Gbagbo, les caïmans du lycée classique. À sa suite, l'honorable Aboua Kofi Joseph. Il a été ancien administrateur des services, il est administrateur en chef des services financiers, actuellement DAF, c'est-à-dire directeur des affaires financières au ministère des Affaires maritimes. Il est toujours en fonction. Par ailleurs, membre du comité de contrôle du Front populaire ivoirien. Et à l'honorable Amangwa Lukensi, qui s'est excusé parce que retenu par des obligations liées. Il est là. L'honorable, s'il vous plaît. L'honorable Amangwa Lukensi, ancien député d'Ayamé. Je voudrais aussi préciser à la jeune génération que l'honorable Amangwa, non seulement il a créé le BNES, mais il a même été le premier directeur général. Merci beaucoup. À sa suite, nous avons M. Aboulé Allo Jean-Fidèle, inspecteur pédagogique dans le secondaire. C'est un de nos fédéraux, il est le fédéral du FPI à Benjerville. Aboulé. À sa suite, nous avons une autre personnalité qui n'est plus à présenter, mais on va la présenter quand même. Il s'agit du doyen Abou Cissé, membre de la société civile, par ailleurs vice-président de l'ensemble de la démocratie et la souveraineté. Nous avons le doyen Adou Tano, qui s'est excusé lui cette fois-ci. Il est là. Il est sorti d'avance donc. Doyen Aboutano. Bon, au moment où nous faisons l'enregistrement, nous n'avions pas encore aperçu le doyen Aboutano. Veuillez nous en excuser. Le doyen Aboutano est venu ce matin d'avant nous, spécialement pour cette cérémonie.
Donc, Maya Doukaro, merci d'être là. Comme je le disais, il est venu ce matin d'avant vous spécialement pour cette cérémonie. Je précise qu'il a été le premier secrétaire de section du FPI à Ombo. Membre créateur de l'ANAPOSI. Merci Brian d'être là. Je ne voudrais pas prendre le risque d'éthique qui s'est excusé, mais je vais le dire quand même s'il est là. À sa suite, on a Abo Akwende Daniel. Abo Akwende Daniel, qui est là, qui est effectivement là, qui va prendre place. Voilà, membre du comité national d'accueil. Après lui, il y a le président de la région du COP, le président Djedjé Bayon. Lui, j'ai la certitude qu'il s'est excusé. Il a été retenu par les obligations de sa charge en dernière minute. Il présente toutes ses excuses au secrétaire général et à l'Assemblée. Mais il fait partie du comité. Nous avons aussi un autre excusé, c'est Sa Majesté Gabolo Saï, le roi de Colombo. Il s'est excusé parce que hier même, il a appelé le secrétaire général pour lui annoncer le décès de son premier porte-canne. Et donc, par rapport à cette situation, il ne pouvait pas effectuer le déplacement. Vous avez toutes ces excuses. À sa suite, nous avons l'honorable Ouattara Soumana. Il est professeur de mathématiques à la retraite, professeur de mathématiques dans le secondaire à la retraite, par ailleurs, membre du comité central du FPI. Ouattara Soumana de Touko. Ouattara Soumana. À sa suite, nous avons l'honorable Soro Seydou, plus connu sous le nom d'appellation Soro Coton. Soro Coton. Chef d'entreprise, il fait partie de la promotion de l'école du commerce qu'on appelle l'ESCA, la promotion 80-85. Il a été DG de l'UOCOSI et président de l'interprofessionnel du coton. Soro Seydou alias Soro Coton. Merci. Nous avons une autre personnalité, l'honorable Doué Blaise. Doué Blaise, préfet de police à la retraite. Il vient tout droit de la région montagneuse. Il est chef du Guéillot, chef du village de Guéillot et planteur de profession. Merci, honorable d'être là. Guéhou, ça se voit qu'on connaît bien la Côte d'Ivoire. Merci de me l'avoir. Enfin, le doyen Samuel Harding. Le doyen Samuel Harding est vice-président de l'EDS. Il a été directeur de la société maritime qu'on appelle Soumikoa Comaran. Soumikoa Comaran. Il en a été le directeur pendant de très longues années avant de prendre sa retraite. Merci doyen d'être là. Mesdames et messieurs, voici donc pour présenter les 13 membres du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, dont les missions ont été tout à l'heure définies par le secrétaire général. Je voudrais après cela laisser la parole au secrétaire général pour en dire encore davantage. Merci. Je vais me lever parce que tout à l'heure, je vous donnerai le moment d'arrivée du président Laurent Gbagbo. Merci. On va se calmer. Quelqu'un écoute ce qui va suivre d'abord. Merci. Mais je dirais que permettez-moi de citer
des grands écrivains allemands, Reich, qui disait ceci: il y en a qui luttent quelques jours, ils sont estimables. Il y en a qui luttent des années, ils sont indispensables. Il y en a qui luttent toute leur vie, ils sont irremplaçables. Je dis ça parce que le roi Babo a consacré sa vie à lutter. À lutter. Certains disent oui à la naissance du pays, mais j'ai mis ça pour vous donner un élément que nous devons savoir. Nous étions au secondaire. Au secondaire, c'est mon cycle. Nos grands frères étaient passés à Péter, les Amoura Babou, le Touré Moriba luttait en Europe. Et à un moment donné, Koufoué dit que il faut que l'UNESCO vienne à Côte d'Ivoire et il veut changer la nature de ce mouvement. Parce qu'ils sont en Europe, ils sont téléguidés de Moscou. Les partisans de Koufoué dans le milieu scolaire sont venus en Côte d'Ivoire faire campagne dans les lycées et collèges. Et nous avons organisé une rencontre au centre culturel des Trèches-Ville. Je vais vous parler de l'année scolaire 1963-1964. Ce jour-là, le ministère l'Éducation nationale a envoyé son directeur général pour lui demander: vous allez parler de politique ou bien venez parler de débat de politique? On dit on va parler de politique. Les grandes délégations qui étaient là, il y avait ceux du lycée technique, moi seulement j'étais au lycée technique. Notre responsable, ça s'appelait Amara Karamoko. C'est le fils d'un grand dirigeant du RDA de Mankono. Parce qu'à ce temps-là, il n'y a pas de rattrapage. Il n'y avait pas de rattrapage. Tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien. Et nous étions tous des ivoiriens. C'est Amara qui cotisait notre délégation. Ceux du lycée Francisci, ceux de Witivenay, et les dirigeants, ça avait Laurent Babou. Vous pouvez tenter de le corrompre. Une mallette d'argent convoyée par M. Jean Guessé pour qu'on change d'orientation. Babou a dit non, nous avons dit non et la réunion a été interdite. Depuis cette époque, la lutte continue. La lutte continue parce qu'en ce temps-là, d'un côté, nous avons la Guinée de Sékou Touré qui dit que mieux vaut être libre dans la pauvreté que riche dans l'esclavage. Nous avons de l'autre côté le Sadio docteur Mamadou Touma qui prônait le patriotisme, l'unité africaine. Et les élèves que nous étions, on était baignés dans cette atmosphère. Donc vous voyez, il y a longtemps que Laurent Gbagbo lutte. Il y a longtemps que Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que le mois d'avril 2011, sa résidence avec sa famille, son épouse Simone Vivabo, avec ses enfants, avec la maman de Sangaré, avec Sangaré lui-même, ils ont été bombardés. Mais à cette époque, ce bombardement doit rappeler tous les historiens, tous ceux qui s'attachent à l'histoire de l'Afrique. Vous savez que un mois d'avril 1898, un mois d'avril 1898, le palais du roi de Kénitou, Bamba, a été bombardé. Il a été fait prisonnier, mais il a refusé la prison. Il s'est suicidé pour éviter le désordre. Donc, ce n'est pas la première fois.
que les Ouest Africains connaissent l'intervention de l'armée française. Et Laurent Gbagbo a été donc, comme disait Adama Daïgo tout à l'heure, le président Adama Daïgo, il a été envoyé à la CPI. Un avocat français disait, il va faire le minimum, ce sera 50 ans. 50 ans. Et le monde entier a vu qu'il n'a rien fait. Il a été acquitté. Il voit les jeunes son pays. Il va demander de voir les autorités ivoiriennes pour organiser son retour dans la paix, dans la sérénité. C'est ce que nous avions fait. Mais ça traîne. Ça traîne. Et comme on le dit chez moi, c'est toi qui as ton problème, tu dois t'occuper de ton problème. Un adage a dit que c'est celui qui veut monter sur l'arbre qu'on le pousse. Si tu ne fais rien et tu es assis, on ne fera rien pour toi. Donc c'est toi. Donc c'est toi qui dois te lever pour dire que je vais régler mon problème. Et pour régler notre problème, donc en rapport avec le président Laurent Gbagbo, il a donné la permission d'organiser son arrivée. Son arrivée. Et le moment qu'il m'a donné, qu'il m'a dit de vous dire, hier soir on a causé. Ce matin, pour être. Camarade le secrétaire général. Camarade secrétaire général. Oui. Tout à l'heure, tu donneras la date. Mais maintenant, moi, ça sera un peu déçu. Voilà. Ce sera la chute. Voilà, donc, chers amis, même si je ne dis pas, mais je vais vous dire que hier soir, je viens demander. La cérémonie va avoir lieu demain matin. Qu'est-ce que je dis pour ton arrivée? Il m'a dit ceci. Ce matin, pour être sûr que j'ai bien entendu, j'ai rappelé. Je dis que je viens de mettre ma cravate. Je m'en vais au pamplum. Qu'est-ce que je leur dis? Il dit qu'il dit ceci. Et c'est ça que je vais vous dire. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Pour l'instant, tout à l'heure. Camarade secrétaire général, tu l'as dit, en Côte d'Ivoire, avant, il n'y avait pas de rattrapage, il y avait Ivoirien. Ivoirien d'abord, c'est le terme qu'a choisi de nous développer, de nous donner la terre. Accueillez donc, donnons la terre. Avant les Ivoiriens d'abord, on va vous faire un appel. Je suis
Nous ne les suivions pour qu'il n'y ait pas du tout de bousculade.
camarade secrétaire général, quand tu as mis ta veste, et puis tu as attaché ta cravate, et puis tu as appelé le président Bako, et puis quand le président Bako lui-même l'a répondu, et il a pris le téléphone et puis il a commencé à te parler. C'est quoi il t'a dit? Bien, merci César. Tu m'avais interrompu et je suis content que tu m'aies interrompu. Parce que il me permet de dire une ou deux choses. La première des choses, c'est que certains pensent que nous voulons faire un coup de force. Non, on veut forcer. Non, le président dit négocie avec le gouvernement pour que je rentre tranquillement en Côte d'Ivoire et que ça soit la joie pour tous ceux qui veulent la paix, la réconciliation au bien. C'est ce que nous avions fait. Mais on a fait ça par rapport à une loi et lui, il avait voté en 2005 pour les avantages des anciens présidents et les présidents des institutions. Mais pourquoi cette loi est arrivée? Je vais vous expliquer. Au début du gouvernement Babo, j'avais en charge le ministère de la construction et de l'urbanisme. Depuis un matin, on me dit que un Dieu veut me voir. Je me suis levé, c'est un de nos doyens. Il ne voyait plus, il était devenu aveugle. Quelqu'un tenait sa canne. Et il vient, quand je l'ai vu, il dit à papa, rentre moi-même, je l'ai saisi, on l'a installé. Je lui demande les nouvelles qu'on me demande dans l'Afrique. Il dit non, je suis dans un bâtiment. Vos services disent qu'ils veulent le récupérer à la maison. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison. Oui, je vais aller. Je lui dis bon, rentrez à la maison, je viendrai vous voir. Ceci pour me permettre d'aller voir le président Babo et lui en parler. Quand je lui ai parlé, il dit, bon, c'est simple. Fais une note que je vais signer un arrêté. Tant qu'il vivra, il doit rester dans la maison. Tant qu'il vivra, il doit rester dans la maison. S'il n'est plus sur la terre, alors l'État récupérera la maison. C'est ce qu'on a fait. Et c'est par rapport à ça que le président Bélier, le président Ouattara, beaucoup de présidents d'institutions en Côte d'Ivoire ici ont eu des salaires, ont eu des assistances, ont des gardes-corps et autres. C'est grâce à Babo. Donc quand nous partons les voir, ce n'est pas pour plaider. C'est pour leur dire d'appliquer ce qui existe et qui a été voté par une loi. Donc, chers frères, chers camarades, voici le but de notre démarche. Mais comme je l'ai dit, comme ils traînent parce qu'ils ont beaucoup d'occupations, Babo viendra, et puis nous, si c'est un ronron, pendant le ronron, on va aller le chercher à la fin. Mais parce que c'est important pour les Ivoiriens. À l'école, on nous a appris que les appels avaient des chauffeurs déraillés un train à Rubino. Mais ce qu'on ne dit pas, la répression qui a suivi, beaucoup d'appels ont été déportés en Afrique centrale. Ils ne sont plus jamais revenus. Ils ne sont plus jamais revenus. Je vois là, Madame Simone et Yves Babo, leur grand chef Mangwa, a été déporté. C'est au temps des Babo qu'on a ramené ses cendres. Non, pas le Gabon. Oui, il était déporté au Gabon. Nous-mêmes, avant vous, on a passé hier, dans Vélifia, qui a été déporté au Gabon. Ses cendres sont encore au Gabon. Donc aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est extraordinaire pour les Ivoiriens. Un de leurs résistants, un de leurs patriotes a été amené, déporté, on dit qu'il viendra plus. Et voilà qu'il arrive. Alors le président Babo m'a dit de vous dire ceci.
D'abord, il vous remercie. Il vous remercie pour votre mobilisation, pour votre combat. Il s'est mis devant la dépouille de tous ceux qui ont perdu la vie. Mais de vous rassurer, en mi-mars de cette année, il sera ici avec vous. Pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique, pour toute l'Afrique. Donc je voudrais remercier toutes les personnalités qui ont accepté de vous soutenir. Je voudrais remercier tous vos sympathisants, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, tous les Africains, les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains, les Tchadiens, qui se sont mobilisés pour que Mamoun Ouattara gagne. Il veut dire qu'il a dit, il a bon santé. Merci. Merci, Madame la secrétaire générale. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette cérémonie. Je voudrais juste préciser que l'honorable Toé, qui fait partie de l'équipe, le président et tous les chefs cantons de l'Ouest. Merci d'être là, c'est ce président que je voulais faire. Avant de dire encore une fois au nom du comité d'organisation, merci aux uns et aux autres et comptez sur votre indulgence pour les quelques désagréments que vous avez dû subir pendant cette organisation, le humain n'étant pas parfaite. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui. Mobilisons-nous pour la mi-mars pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Vous pouvez bien laisser les autorités se retirer et à leur suite, nous allons encore nous retirer. Merci et à bientôt. Une photo du secrétaire général avec les membres du comité national d'accueil. Alors, nous allons permettre l'ordre de la parce que le Seigneur voudrait qu'on fasse un peu. Parce que c'est rien. Moi, c'est pas ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et, on va les respecter tranquillement. Et on ne sait pas si c'est parce qu'il va venir.